Le Maroc a joué, a contribué à sa manière, et surtout avec des actes de courage, il a fait des sacrifices, il a perdu énormément, des dizaines de soldats pendant ces années. Le Maroc, avec tous ses atouts que je viens de citer, peut lui aussi aspirer à devenir membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'il a cet avantage de constance, il a cet avantage de modération de sa diplomatie.